monde, c'est Lit. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch de Wellbridge sur GTA 5 Online version 1.13. Donc je vais d'abord vous montrer que je suis bien en version 1.13 sur GTA. Donc on fait en ligne, option, je vous montre que je suis bien en 1.13. Donc vous voyez que c'est bien le cas. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre au même endroit que moi sur la map. Donc c'est dans les rues un peu glauques, là près du Los Santos Custom. Donc j'ai fait un petit zoom pour vous montrer où j'étais. Donc vous allez au même endroit. Donc il va vous falloir une voiture, qu'elle soit vous que vous l'ayez achetée ou vous l'ayez volée dans la rue, ça ne changera rien. Il vous faut tout simplement une voiture pour vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo. Vous allez vous rendre à cet endroit et vous allez tout simplement bourriner la poubelle pour qu'elle soit collée complètement au mur. Une fois que vous aurez bien bourriné la poubelle pour qu'elle soit collée au mur, vous allez grimper sur cette même poubelle. Vous allez redescendre de cette poubelle pour bien wallbreach le mur. Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regrimper et vous allez sauter au-dessus du mur et vous allez voir que vous allez rentrer en dessous de l'autoroute. Donc vous voyez que ça marche bien, vous êtes en dessous de l'autoroute, bloqué entre les murs de l'autoroute, donc vous êtes invincible et personne ne vous voit, vous êtes invisible et invincible. Donc c'est vraiment un très bon glitch et vraiment très facile à réaliser. Donc c'est un petit wallbreach que je voulais vous faire partager, car je trouve qu'il est vraiment très facile à faire et très utile. Vous pouvez troller vos potes et plein d'autres personnes que vous rencontrez sur le online. Donc sur ce, c'est bientôt la fin de cette vidéo, moi j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en lâchant un petit like, un commentaire pour me dire si ça a marché et me remercier. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter, me rejoindre sur ces mêmes réseaux sociaux Facebook et Twitter, vous êtes d'ailleurs plus de 320 followers sur Twitter, ça me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner si c'est pas encore le cas pour suivre plein d'autres glitchs qui vont arriver sur GTA et des gameplays plus fun les uns que les autres. Donc voilà, j'espère que vous me rejoindrez dans mon aventure. Moi je vous dis à la prochaine, ciao les glitchers. You're now listening to A-Rod Music.